J'en ai un prof à la fac. Il se trouve que le ministre de la Santé est un de ses amis, mais alors... Ah, c'est ça? S'il te plaît, Laurence, est-ce que tu peux ne pas tarder pour passer me prendre? J'ai le Hajj et le Hajja qui reçoivent ce soir, et nous devons, paraît-il, accueillir les invités. D'accord. Moi, à tout à l'heure. Excuse-moi, chérie, j'ai été avec une urgence. Bon, alors, c'est quoi cette réception de dernière minute? Écoute, j'en ai absolument aucune idée. Mais le Hajj a tellement insisté pour qu'on vienne, j'ai même dû annuler mon dîner avec Nasser pour parler de nos problèmes. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Probablement une fête pour fêter notre arrivée à Casablanca. C'est le Hajj et le Hajja, ils adorent recevoir. Je me demande ce qu'ils ont pu encore inventer. Moi, je suis vraiment bien n'importe comment. Non, t'es parfaite comme ça. Je suis montée dans la chambre rapide. Trop tard, on est en retard. Marc Davico. Oh, félicitations. C'est un grand jour. Rachid, qu'est-ce que j'allais essayer d'arti? Samir fait preuve d'un grand courage. Subhanallah. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Je crois qu'enfin, je vais t'expliquer. Écoute, je sais que tu vas pas me croire. Je suis absolument pas au courant. Courant quoi? Voilà, c'est pas dramatique. Samir, il a été circoncis. C'est pas dramatique. Sans me prévenir? Sans que je sois là? C'est moi la mère de Samy, non? Je sais. C'est Hajra et Dada qui ont dû organiser tout ça dans votre dos. Mais j'en ai assez qu'on décide à ma place. J'en ai assez. C'est une coutume dans ma famille. Mais arrête de me parler de ta famille, j'en peux plus. Je sais très bien ce que Manny pense à mal. Elle veut te récupérer dans la tribu, elle veut même te marier avec sa sœur Yasmina. Tu délires complètement. Je délire? En tout cas, je reste pas ici une seconde de plus. Et on part tous les trois. Tu peux pas me dire ce que t'as fait, ma famille. Là, je s'en mets jamais. Rachid, dis pas que toi aussi t'es resté accroché avec une tribu comme ça. Ta famille, c'est Samy et moi. J'en ai marre de ton attitude de féodale. Rachid, je te présente ma cousine Saad. Comme ça, Marie. Je te dis que tu as l'air bizarre. Je te dis que tu as l'air. Non, tu as dit que tu es un Hassan ou l'air de l'air. Faut que tu viennes avec moi, tout de suite. Non, maman, doucement. Mais maman, ma soeur, tu m'as l'air. Alors, comme ça, tout le monde est au courant sauf toi, hein? Bien sûr, tout le monde savait. Tant d'amal ne t'a pas dit? C'est pas possible. Reste pas une minute de plus ici. On va où? Chercher Granny? Pas du tout. Merci, Rachid. Barakoum Saoud. Allah yajalou farhdein. Amin, le Hajj, c'est un nahar kbir. Laurence? Plus tard, plus tard. Rachid, mais tu as l'air de Laurence? مانو كيتجرب حلاكه الله يمعرفت Je veux retourner là-bas avec tout le monde. Je veux prendre mes cadeaux. Et papa, pourquoi il ne vient pas avec nous? Mon chéri. Rachid, واش كتقلب على لون؟ قلت لي غادا مزروب ليك لاباس. السبيطار عيطوا لي على واحد الخشوص راك عارف فهاد النهار هذا حاله زهر عندها وي مدام مدام شيفالي اريف Pourquoi on est parti? Il y avait
plein de bonnes choses à manger. On va manger ici, chérie. Granny, elle pouvait venir en taxi à ma fête. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Je suis devenue un homme, Granny. Tu as eu mal? Mais non, Granny. J'ai pas eu peur. Un peu seulement. Oh. Je vais rentrer. Ils ont fait ça dans mon dos. Bah, fallait t'y attendre. Tu sais, j'ai lu un article fort intéressant qui expliquait qu'au fond, c'était une pratique hygiénique. Vous venez avec moi? Tu viens voir la mère, chérie? J'ai pas envie. J'ai peut-être gâché ta fête, Samy, mais... Appelle-moi Sidi Samy. Je suis un homme, maintenant. Ma chérie, tu as peut-être passé le plus difficile. Pardon, maman. J'avais pourtant bien dit à tante Amel que tu allais te fâcher si elle ne te disait rien. Mais elle disait qu'il fallait respecter la coutume. Qu'est-ce qui t'a dit ça, mon chéri? Tante Amel, et à papa aussi. Je ne devais rien dire. Surtout rien dire à papa. Ah, je comprends maintenant le coup de fil m'informant que vous deviez venir me chercher pour le dîner. Raconte-moi ce qui s'est passé. Rachid. واش ولدي هذا وقت المستعجلات؟ ما كانش ولدي عندها الحق تمشي هكذا في وقت بحال هذا. 10 ايام وانا كنوجد باش نفرح بكم. ايوا الطبيب هو هذا الوالده. الناس ما كيختاروش التاش خاصهم يمرضوا. وعاد دابا ولات مسؤوله على قسم كامل. ايوا سامي على جدته معاه. على هو الطبيب؟ بغات باش تعرف بلي كلشي داز على خير. ايوا ودابا هاد الناس اللي جاوا الا سولوني انا اش غادي نقول لهم؟ ولا الحاجه ما عندك ما تقول لهم حشمت بينا قدام العائله كامله ويلي والله الا حشومه هذه وي رشيد وي رشيد elle est là je te la passe. Laurence, je reconnais, j'ai été maladroit. Je n'ai pas su être avec toi comme il le fallait, quand il le fallait. Je sais que tu détestes quand on décide pour toi. Laurence, j'ai besoin de toi et de Samy. Vous venez? Oui. À tout de suite. Ouldi Rachid, Andra, fina hiya daba. Qu'est-ce que je vais dire à les gens daba? Hiya jaïa el hajj. غير سرقة بالضياف ولا
ولكن بلا ما تقلقي لورانس ساموئيل غادي يرحلوا لشي دار اخرى هنا بعيد بزاف.